Jeudi, c'est jeudi 10 février. C'est un plaisir, amis, pour que nous soyons capables de rencontrer une autre fois dans la semaine pour nous étudier la leçon de l'école du sabbat. Et jeudi, nous allons parler ensemble Jésus, l'encre de l'âme. C'est le thème de cette semaine même que nous allons parler ensemble. Jeudi, Jésus, l'encre de l'âme. Mais bien avant même que nous rentrions dans l'étude que nous devons jeudi, nous prions bon Dieu. C'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, c'est pour nous exalter depuis jeudi pour vivre jusqu'à l'éternité, papa, nous qui sommes dans le ciel-là. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ce que vous continuez à faire pour nous. Merci parce que vous préparez l'enseignement sérieux pour qu'on capable d'instruire nous pour nous comment pour nous marcher ensemble avec vous pour nous pas jamais éloigner de vous. Tandis que je vous dis une autre fois, nous allons utiliser la parole. Nous allons aider nous pour nous comprendre et mettre en application. Sauvez-nous, nous prions concernant nos Jésus. Amen. Moi, je veux remercier mes amis pour l'effort que vous consentissez chaque jour pour capable étudier la leçon de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois fini étudier. Moi toujours pour un plaisir pour encourager ou partager les choses avec l'autre monde et qu'on soit plus monde capable d'arriver bien accès avec l'étude de l'école du sabbat. Et si vous pas trop abonné, m'a dit courir à faire ça et encourager l'autre monde tout et bien fait même gens ensemble avec vous. Semaine là nous en 7e semaine, c'est-à-dire nous en leçon 7 et thème de cette semaine c'est Jésus l'encre de l'âme. C'est thème ça nous a développé ensemble pendant toute semaine. Verset nous gain pour nous mémoriser, c'est Galates chapitre 2, verset 21. Je ne jette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je ne jette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Galates chapitre 2, verset 21, qui c'est verset pendant toute semaine, nous allons maintenant avec vous gagner, pour que nous capables mémoriser. Et jeudi, à qui c'est jeudi 10 février, nous parlons de partie leçon qui titrait Jésus, l'encre de l'âme. Jésus, l'encre de l'âme, c'est thème ça qui nous va développer ensemble jeudi. Et bien, Paul terminé mise en garde Léa et contre apostasie et encouragement à l'amour et à la foi par une magnifique présentation enflammée de l'assurance à Christ. Nous te voyons, Paul t'a dit mon nom, c'est pour y'a pas. Et bien, abandonner Jésus, il te encourage, je te vois ça hier, pour marcher dans l'amour et dans la foi. Et bien, Paul terminé, et bien, mise en garde ça par une magnifique présentation enflammée de l'assurance en Christ. Nous allons regarder ça dans Hébreux, chapitre 6, verset 17 à 20. Nous allons regarder comment bon Dieu garantit promesse, et bien, qu'il fait nous. On va regarder ensemble dans Hébreux, chapitre 6. On a commencé dans verset 17 pour nous arriver dans verset 20. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été saisi, l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Eh bien, nous, bon Dieu garanti, bon Dieu te garanti promesse qu'il fait nous dans plusieurs façons. Et dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons voir deux manières différentes que bon Dieu lui garantit promesse, c'est-à-dire ça dit qu'il a fait. Nous allons voir comment bon Dieu lui-même lui va nous garantir. D'abord, bon Dieu garantit promesse lui par un serment. C'est pour mes bagages. Bon Dieu garantit promesse lui par un serment. D'après la Bible, serment que bon Dieu t'a fait avec Abraham, avec David, il vient devenir fondement suprême de confiance en la faveur permanente de Dieu pour Israël. Donc rappelez-nous, lorsque le peuple là est tombé dans le péché, lorsque Moïse est monté sur montagne là, bon Dieu t'a bali et bien prescription pour le peuple ça, t'a bali ensemble d'enseignement, il t'a bali les 10 commandements. Lorsque Moïse est descendu sur montagne là, qui s'est passé, il était ouais, peuple là fait un statue, peuple là fait un bœuf en or et bien Dieu tombé et bien adoré. Eh bien, lorsque bon Dieu te prend une décision pour qu'il est capable de tuer peuple ça, Moïse t'a intercédé auprès de Dieu. Moïse te dit, bon Dieu, ou songez, eh bien, parole ou te dit avec Abraham,
Lorsque Jésus a fait venir nos grandes nations, il a fait toute nation sous terre, eh bien, béni en lui-même, il faut songer ça. Eh bien, nous avons force implicite des plaidoyers. Eh bien, et Abraham, eh bien, force de jeune pour capable plaider ensemble avec bon Dieu, eh bien, il trouvait l'enseignement que bon Dieu a fait ensemble avec Abraham, ensemble avec David. Eh bien, il a le serment ça pour montrer que bon Dieu pas contre bay menti. Bon Dieu pas qu'a détruit et bien peuple là. Il veut faire comprendre que bon Dieu et bien serment bon Dieu fait yo, il était irrévocable. Les bon Dieu fin d'un bagaille, ça le dit à faut qu'il accompli parce que dans Hébreux chapitre 6 18, il dit l'impossible pour bon Dieu bay menti. C'est-à-dire c'est sous ça, c'est sous serment ça que Moïse te chita pour qu'il était capable et bien discuter ensemble avec bon Dieu, plaider ensemble avec bon Dieu pour faire bon Dieu comprendre. Il était fait peuple là et bien il y a une promesse. Et bien, puisque le peuple a lui-même li péché, bon Dieu, pas obligé tout le peuple là, et bien pour ça. Et bien, de même façon ça, quand ça le ministre lui-même, il a intercédé devant bon Dieu pour Israël, il t'a réclamé serment que bon Dieu t'a fait ensemble avec David. Bon Dieu t'a dit, et bien, avec David, je pas mettre fin avec fidélité m'envelle. C'est ça que parlé à David. Je pas jamais trahir constance moi. M'pap jam profaner alliance moi, moi pap jam changer ça qui sorti dans bouche moi. Moi fait un seul serment par ma sainteté, m'pap bay menti, est-ce que m'konn bay menti avec David? Et ben descendance li a prêté là pour toujours. Trône ni, et ben a prêté là devant ton couillon soleil, ton cou la lune et la fermé la là et ben pour tout temps. Et ben l'étoile là comme étant un témoin. Qui est dans la nuit est sûr. Le témoin qui est dans la nuit est sûr. C'est-à-dire, ben nous, bon Dieu te fait promesse, te font serment et ben avec Abraham, te font serment avec David. Et ben nous, lorsque le peuple bon Dieu a trouvé une situation difficile, et ben il y aura les serments ça que bon Dieu te fait. Et ben côté bon Dieu te juré, mais ça l'a fait pour le peuple là. Et ben c'est lui-même encore. Peuple a râlé pour montrer bon Dieu pour capable défendre cause. Et bien d'après le Nouveau Testament, deux serments ça yo, et bien yo j'ai l'accomplissement au nom de Jésus. Et bien en parlant de la postérité d'Abraham qui montait dans le ciel là et qui assis sur le trône de David. Et bien nous le premier c'était un serment qu'il dit. Pour nous va regarder deuxième là qui ça. Deuxièmement, bon Dieu te garantit promesse qu'il fait nous yo. Lorsqu'elle fait Jésus chita à droite, eh bien, l'ascension de Jésus lui était un but pour confirmer la promesse que bon Dieu te fait avec quoi. Parce que Jésus lui monte dans le ciel pour nous, eh bien, il est dans le ciel pour nous comme étant un précurseur. C'est-à-dire, pour montrer ça, bon Dieu dit l'a fait pour nous, hein, l'a fait quand même. Eh bien, comme ça, l'ascension lui révèle nous, l'ascension de Jésus révèle nous la certitude du salut que bon Dieu promet là-bas nous. Hein. Bon Dieu, eh bien, te conduit Jésus vers la gloire par la souffrance de la mort pour nous toutes, afin que y ait un grand nombre des enfants capables de participer eh bien, dans la gloire. Eh bien, présent Jésus devant le Père, eh bien, il a comme étant un ancre pour l'âme qui est attaché avec le trône bon Dieu. Eh bien, l'honneur du gouvernement de Dieu, eh bien, il était en jeu dans l'accomplissement de promesses. Pour mettre ce que bon Dieu te fait nous, et bien, à travers Jésus-Christ. Et qui est l'assurance supplémentaire que nous besoin encore pour nous croire dans la parole de bon Dieu? Qui ça nous besoin en plus pour nous croire que tout ça bon Dieu dit l'a réalisé? Nous n'avons pas besoin en rien encore. Bon Dieu te fait promesse avec Abraham, il a accompli promesse. Bon Dieu te fait promesse avec David, et bien, il a accompli promesse. Bon Dieu te dit, et bien, là, fait Jésus-Chita sous trône. Et bien, si vous avez fait, et bien, il fait. Et bien, moi, ensemble avec vous aujourd'hui, nous avons raison pour que nous soyons capables de croire la promesse de bon Dieu. Nous devons garantir. Et bien, tout ça, bon Dieu dit, l'a fait pour nous, l'a fait parce que bon Dieu, par contre, pas menti. Et bien, bon Dieu, par contre, changer parole. Parole qui sort dans la bouche de bon Dieu. Il y a besoin d'accomplissement quand même. Et bien, qui ça, dans la réflexion que nous avons pour journée, et qui ça vous ressenti? Et bien avec pensée que bon Dieu lui fait un serment. Qui s'est ressenti avec pensée que bon Dieu fait un serment? Leur pensée avec ça. Et bien qui s'est ressenti bon Dieu fait un serment? Pour qui ça?
Eh bien, l'idée, ça t'a de aider nous, t'a de ba nous assurance du salut, même quand nous t'a senti nous indignes. Pour qui ça, l'idée, ça t'a de ba nous assurance que nous sauver, t'a de ba nous assurance du salut, même là nous t'a senti nous indignes. Eh bien, c'était parti, le chant que nous t'a pris ensemble, je dis à Jésus, l'encre de l'âme. Et nous avons raison pour nous croire dans la promesse de bon Dieu, parce que tout ça, bon Dieu dit, li réalisé pas gain doute là-dessus tout ça Jésus dit li réalisé et ben moi ça avec vous nous gain garantie et ben que toute promesse que bon Dieu fait nous yo il a réalisé quand même parce que li impossible pour bon Dieu bay menti Jésus l'encre de l'âme c'est parti les sons ça qui d'abord ensemble je dis à et ben avant même que nous aller à nous prier bon Dieu papa nous qui dans ciel là merci pour promesse qu'on fait nous aidez-nous pour que nous capable que parole soit capable de une foi dans nous afin que nous capable gain patience et afin que pour que nous capable bénéficier promesse sur pour que promesse soit capable réaliser dans la vie nous tandis que nous sauvez-nous nous pas mérite nous prier comme ça dans nos Jésus amen deuxième chose de passer une très bonne journée bonne étude et que Dieu vous bénisse.